Bonjour et bienvenue à toi sur cette petite vidéo relative à comment réagir face à un moteur qui s'emballe suite à un problème turbo. Malheureusement, l'autre jour, en regardant les informations, je suis tombé sur un fait divers tragique dans lequel 5 enfants ont perdu la vie sur le réseau routier français. En cause, une défaillance turbo est à l'origine de l'emballement du moteur. Malheureusement, cet accident a été tragique et a coûté la vie à 5 enfants. Toutefois, il faut savoir qu'il existe une procédure, un moyen d'éviter l'accident et d'arrêter le véhicule avant qu'il ne soit trop tard si le moteur s'emballe. En discutant avec mes proches et avec des amis, je me suis rendu compte que trop peu de personnes savent comment réagir à une pareille circonstance. C'est pourquoi je réalise cette vidéo afin qu'un maximum de personnes soient au courant de la procédure à suivre en cas de problème d'emballement de moteur. Et je vous invite à partager, liker, commenter cette vidéo afin qu'elle soit vue par un maximum de personnes et par conséquent afin d'éviter quelconque dramatique accident suite à une défaillance turbo dans le futur. Mais avant ça, je tenais bien entendu à adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes et tout mon soutien aux familles et aux proches des victimes de ce tragique accident et que reposent en paix ces pauvres enfants. Bien, comment faire face alors à une situation d'urgence où c'est que l'emballement moteur se produit suite par exemple à une défaillance turbo ? Prioritairement, il va falloir chercher à dissocier le bloc moteur des roues de façon à ce que ce dernier, même qui continue à s'emballer, ne continue pas à entraîner les roues. Pour ce faire, vous allez passer, si vous avez une boîte méca, au point mort. Donc là, procédure classique, hein, vous embrayez point mort, vous laissez point mort, vous débrayez. Si c'est une boîte auto, au sélecteur, vous passez le point neutre, même si le véhicule est en mouvement. Parallèlement à ça, du fait que le moteur soit dissocié des roues, même qui continue de s'emballer, il n'entraînera plus les roues, vous freinez bien entendu pour arrêter le véhicule avec le frein. Une fois que le véhicule est à l'arrêt, alors là, pareil, ne cherchez pas à trouver une place ou quelque chose, c'est une situation d'urgence. Si c'est sur autoroute, bande d'arrêt d'urgence avec les warnings. Si c'est sur départemental, si vous n'avez pas votre échappatoire, vous arrêtez au milieu de la route, vous arrêtez au milieu de la route avec les warnings. C'est une situation d'urgence parce que malheureusement, dans de pareilles circonstances, l'incendie arrive très vite. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Une fois que le véhicule est à l'arrêt, prioritairement, vous faites évacuer le véhicule si vous avez des passagers. Et là, deux possibilités. Soit le véhicule n'a pas encore pris feu, et à ce moment-là, vous pouvez tenter de sauver les meubles, comme on dit. À ce moment-là, vous restez dans le véhicule, sur une boîte méca, vous laissez le pied droit sur le frein, vous embrayez avec le pied gauche, vous passez le rapport le plus gros qu'il y a sur votre boîte de vitesse. Si c'est une boîte 5, vous passez à 5. Si c'est une boîte 6, vous passez à 6. Bref, vous m'avez compris. Et là, vous lâchez brutalement l'embrayage en gardant le pied droit sur le frein. Et ce, afin de faire caler le moteur et par conséquent d'éviter le potentiel incendie et donc d'essayer de sauver les meubles, comme on dit. Sur une boîte automatique, c'est beaucoup plus complexe. Initialement, sur les boîtes à convertisseur de couple, c'est une boîte où c'est que c'est tout géré par le véhicule, que vous n'avez pas la main sur les vitesses, c'est impossible. Là, il vous faut sortir, même si la voiture n'a pas encore pris feu ou quoi que ce soit, vous évacuez le véhicule et vous laissez faire. Si toutefois, vous avez une boîte de vitesse qu'on appelle BVMP, boîte de vitesse manuelle pilotée, c'est-à-dire boîte simple embrayage, où c'est que vous avez les palettes au volant, ou que vous avez une boîte de vitesse robotisée à double embrayage, tout ça, comme les TSG, les EDC, j'en passe. Là, à ce moment-là, il y a peut-être encore la possibilité de sauver les meubles, mais je ne suis pas sûr du coup. C'est une hypothèse, ce n'est pas une affirmation. Par conséquent, je ne vous invite pas à faire ce que je vais dire parce que je ne sais pas ce que ça donne. Et surtout, donc ne le faites pas, renseignez-vous avant de le faire. De façon logique, je pense que si l'électronique n'intervient pas dans votre manœuvre, au vu de la rapidité de passage des rapports des boîtes, à mon avis, il est possible, en gardant le pied sur le frein, d'arriver très vite en passant aux palettes les vitesses sur le rapport le plus important, et ce avant que le véhicule ait le temps de se lancer réellement. Je ne suis pas sûr du coup. Attention, c'est une hypothèse, ce n'est pas une affirmation. Ne tentez pas cette manœuvre sans en avoir la certitude, car les conséquences peuvent être graves. Par conséquent, dites-moi en commentaire si vous avez la réponse, si cette procédure est valable. Toutefois, si elle n'est pas valable, voilà. Et si vous ne savez pas si elle tient la route, surtout ne tentez pas le diable comme on dit, sortez du véhicule, il vaut mieux que le véhicule crame tout seul au milieu de la route plutôt que vous ayez un accident alors que vous venez de vous arrêter et d'avoir fait le plus gros du travail. Donc quoi qu'il en soit, voilà, si c'est possible, faites-le avec certitude, ne tentez pas l'impossible comme on dit. Mais sur une boîte méca, comme je l'ai dit, tentez de faire cette manœuvre là, si le véhicule n'a pas pris feu. Hypothèse numéro 2, une fois que vous avez arrêté le véhicule au milieu de la route ou sur la bande d'arrêt d'urgence, si le véhicule a déjà pris feu, bien entendu, avant la fin de la manœuvre d'arrêt, à ce moment-là, vous évacuez le véhicule, vous ne cherchez pas à arrêter le véhicule, bien entendu, enfin à faire caler le véhicule. Une fois que le véhicule est à l'arrêt, vous sortez du véhicule, vous faites évacuer le véhicule prioritairement et vous sortez du véhicule, bien entendu, n'essayez pas de tenter l'impossible et de tenter de jouer avec le feu, c'est le cas de le dire, parce que les conséquences peuvent être potentiellement graves. Voilà la procédure à suivre. Voilà, donc on répète la procédure. Le moteur s'emballe. On passe au point mort sur une boîte méca, au point neutre sur une boîte automatique.
on freine parallèlement à ça de façon à arrêter le véhicule. On appuie sur les warnings, on immobilise le véhicule là où on peut. Ensuite, deux hypothèses. Soit le véhicule n'a pas encore pris feu, et à ce moment-là, sur une boîte méca, on tente de faire caler le véhicule à la procédure citée précédemment. Soit le véhicule est déjà en feu avant l'arrêt de ce dernier, on évacue le véhicule quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, faites évacuer les passagers. Une fois que le véhicule est à l'arrêt, qu'il ait pris feu ou pas, si vous avez des passagers. La procédure n'est pas complexe. Mais encore faut-il la savoir, et faut-il que la peur ne prenne pas le dessus en de pareilles circonstances. Chose qui n'est pas facile. C'est pourquoi, dans ces tragiques accidents, voilà, on ne peut pas en vouloir qui que ce soit. Parce que déjà, quand on ne sait pas, on ne peut pas faire. Et puis des fois, la peur prend le dessus. Donc il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ces situations-là, si malheureusement, vous n'avez pas les bons réflexes. Toutefois, c'est bien qu'un maximum de personnes sachent comment faire afin d'éviter des accidents et des potentielles tragédies relatives à ces accidents-là. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo de façon à ce qu'elle soit le plus diffusée possible. N'hésitez pas également, si vous avez tout retenu, à en parler vous-même, à vos proches, à votre entourage, à vos amis, tout ça, de façon à ce que cette procédure soit le plus connue possible. Bien, autre petite subtilité également, durant la manœuvre, ne tentez surtout pas d'enlever la clé ou la carte du contact parce que ça va bloquer la direction du véhicule et à ce moment-là, vous ne pourrez plus manœuvrer le véhicule. Donc ça, pensez-y également si ça vous arrive. Ne tentez pas en vous disant « si j'enlève vite la clé, ça bosse ça... ». Non, non, déjà, ça ne va rien faire parce que l'emballement est automatique du moteur. Malheureusement, c'est physique. Il ne suffit pas de couper le contact. Et puis, ça risque et ça va engager malheureusement le blocage de la colonne de direction et vous n'allez plus pouvoir manœuvrer. Donc ça, à ne surtout pas faire. Voilà, n'enlevez surtout pas votre clé du contact ou votre carte. Bien, quel phénomène physique alors se cache derrière ces problématiques-là? Alors je dis ces problématiques-là parce que là, pour l'exemple, c'était suite à une défaillance turbo. Toutefois, il n'y a pas qu'une défaillance turbo qui peut induire un emballement moteur. Il peut y avoir un problème de segmentation, un trop plein d'huile, bref, c'est multifactoriel. C'est pourquoi ça peut malheureusement arriver à avoir des conséquences dramatiques qu'on a pu tristement le voir dernièrement aux informations. Il faut aussi savoir comment ça fonctionne et le pourquoi du comment, parce que c'est bien beau de connaître la procédure d'urgence, mais c'est bien aussi de pouvoir anticiper ces problématiques-là. Donc déjà, il faut un bon entretien au niveau turbo, il faut éviter de mettre beaucoup trop d'huile dans le véhicule, il faut l'huile qu'il faut, mais il n'en faut pas plus non plus. Et il faut aussi surveiller l'usure du moteur pour voir si la segmentation n'est pas trop fatiguée. Un turbo qui s'emballe, ou du moins un moteur qui s'emballe quand on fait un turbo, c'est que le turbo était vieux, était fragilisé, et que l'huile est passée à l'intérieur du système d'aspiration du turbo et s'est retrouvé dans le moteur. Sur un moteur diesel, on a une explosion à la compression et non pas à l'allumage comme sur un moteur essence. C'est-à-dire que le carburant, le diesel, réagit à la compression du piston à l'intérieur de la chambre d'explosion et cette réaction crée l'explosion. Ça, c'est avec un moteur diesel. Et quand vous accélérez avec le moteur diesel, vous injectez du carburant. Une fois que vous lâchez l'accélérateur, l'injection ne se fait plus. Par conséquent, le moteur repasse, on va dire, en frein moteur. Et il ne produit plus d'énergie. Il produit l'énergie relative bien sûr à l'inertie mécanique, mais il ne produit plus d'énergie suite aux explosions. Sauf que dans un emballement moteur, l'huile joue le rôle du combustible. Et l'huile a des propriétés physiques très proches du diesel. Donc ce qui se passe, c'est que l'huile est absorbée, est ingérée par le moteur, et fait la même réaction que si c'était du diesel. Sauf que là, malheureusement, dans le cas d'un emballement moteur, on n'a pas la main sur l'admission du carburant, en l'occurrence c'est l'admission de l'huile. Donc l'huile continue d'auto-alimenter le cycle de combustion du moteur. Et il est par conséquent impossible de stopper ce phénomène-là. C'est pourquoi on ne cherche pas à arrêter immédiatement le phénomène en cas de problème comme ce qu'on a vu précédemment, mais on cherche d'abord à arrêter le véhicule en dissociant prioritairement le bloc moteur des roues en passant au point mort ou au point neutre sur une boîte auto. En faisant ce phénomène-là, on dissocie le bloc moteur des roues et par conséquent, même que ce dernier s'emballe, il n'entraîne plus les roues. Voilà ce qui se cache derrière ces problématiques-là. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Plus de personnes sauront comment réagir en de pareilles circonstances, moins ce genre de tragédie et d'accident tout court se produira. C'est pourquoi je vous invite vraiment à liker, partager, commenter au taquet cette vidéo pour qu'elle soit vraiment vue par le plus de personnes possible parce que c'est quand même quelque chose à la base de très simple qui peut éviter des conséquences potentiellement dramatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.